Uniform Q9101, ground, Foxtrot 705, looking. Foxtrot 705, KLM 83, Foxtrot, dankjewel, fijne avond, ochtend. Ja, zelfs. Bonjour à tous et à toutes les amis simmeurs et pilotes, furaxiens et furaxiennes, et bienvenue sur ma chaîne. Encore mille merci à tous de me suivre, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le A300-600R de la maison Inibud. Donc c'est un avion cargo pour le moment, la version passager va arriver très prochainement, ça a été annoncé d'ailleurs par la maison Inibud. À savoir que vous avez deux types de moteurs, vous avez les Pride et Whitney et vous avez également les General Electric. Donc on va faire un tour de l'avion extérieur comme d'habitude, un petit tour du cockpit et puis on va voir les différents services au sol qui sont fournis avec. Et pour ce vol, comme à notre habitude, on va faire un décollage de Nice, LFMN, et on va faire un atterrissage sur l'aéroport d'Ajaccio, et pour le coup, on fera une ILS, la 02Z. Je sais que vous aimez bien les approches ULS, et ça me permettra de vous montrer comment ça fonctionne, car c'est un peu particulier par rapport aux 320, 330, les avions que vous avez l'habitude d'utiliser, ou le 319 encore, ou le 321. Voilà, c'est un peu différent, les procédures sont légèrement différentes, mais ça se fait bien. Donc c'est un avion, vous allez voir, qui est très très bien simulé, mais je vous en dis pas plus. On commence, c'est parti. Allez, on commence, on fait un petit tour extérieur de l'avion. Alors, à savoir que je ne vous montrerai pas les livrets, je vais vous montrer où les télécharger. Pour quelle raison? C'est qu'il y en a énormément. Donc voilà, avion très bien modélisé, je vais me mettre en caméra libre, ce qui va me permettre de pouvoir me déplacer autour de l'avion. Et c'est superbement modélisé. Faire un petit tour. Les moteurs sont super sympas. Les trains sont très bien designés, on dirait vraiment de la fonte. C'est très joli, c'est très très bien fait. Alors, à savoir que la maison Inibud va bientôt nous sortir également un A380 attendu par beaucoup de simmeurs. C'est un avion qu'on attend depuis longtemps, surtout un avion de bonne qualité, bien simulé, avec des systèmes crédibles. Vous allez voir que celui-ci est au niveau du Flight Factor, au niveau de la modélisation des systèmes. Vous allez voir que c'est super bien fait. Franchement, c'est super joli. Le modèle 3D est très 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 bien fait. Et vous allez voir qu'il est super agréable à voler. Très bel avion. Très très bel avion. Très bien modélisé. Je suis un gros fan de cet avion, vous allez le découvrir tout au long de la vidéo. Donc là, on a fait un petit tour extérieur, je vais vous montrer maintenant où télécharger les livrets. Pour faire l'acquisition de cet avion, donc le A300-600R, il vous faut aller sur inibud.com, bien sûr je vous mettrai les liens en description de la vidéo, et aller sur le store ici, cliquer sur Aircraft, et A300-600R, et bien sûr cliquez sur buis et on va dire suivre la procédure. Alors l'avion est à 69,99 livres, ce qui fait à peu près dans nos euros 97 brousouf. Voilà pour l'achat de l'avion. Donc c'est un avion qui s'installe exactement de la même manière que les autres. Vous téléchargez votre avion, vous le décompressez dans le répertoire Aircraft de votre simulateur, et puis vous lancez votre simulateur et vous validez bien entendu votre avion. Vous avez une clé de licence qui vous est fournie sur votre compte. Voilà, une fois que vous avez installé l'avion, ici vous retournez sur le site Inibud et vous avez A300
livery. Vous cliquez dessus et là vous allez avoir deux types de livrées pour le cargo et pour les passagers, mais ce n'est pas encore d'actualité, donc freighter. Et ici vous avez deux types de livrées, vous avez les réalistiques et les fictionnels. Donc les réalistiques, c'est les livrées qui existent réellement dans la vie réelle, donc réalistiques. Et là vous pouvez télécharger le pack FedEx, le pack UPS Pack et le pack DHL. Toutefois, attention à une chose par rapport à une livrée que vous allez télécharger. Par exemple, si vous voulez télécharger que cette livrée, vous la téléchargez et vous la décompressez directement dans le répertoire Library. Donc, on va y aller. Aircraft. Inibuild. Simulation. Et Libraries. Donc ici vous téléchargez et vous la décompressez directement. Par contre, quand vous avez un pack, faites attention. Pourquoi? Ben parce que vous allez avoir un sous-dossier dans lequel vous allez avoir toutes les livrées. Donc rentrez dans ce sous-dossier et décompressez toutes les livrées à l'intérieur, mais ne décompressez pas directement le pack, ou sinon ça ne fonctionnera pas. Après voilà, vous avez un très très grand choix de livrées pour l'avion. Donc c'est sympa de fournir autant de livrées gratuitement en plus, donc c'est pas des livrées payantes. Et vous allez avoir après, ici par exemple, vous avez des livrées rétro, ce que j'aime pas mal. Voilà, donc voilà pour l'achat, l'installation et les livrées de l'avion. Vous avez vraiment beaucoup de livrées fournies, puisque si vous allez également, vous allez voir dans Fictional, hop, vous trouverez par exemple celle que j'utilise pour le tuto Air France Cargo, voilà, qui n'existe pas dans la vraie vie parce que Air France n'a pas de A300 en version cargo apparemment. Voilà. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le cockpit et faire un petit tour du cockpit. Vous allez voir, c'est très très sympa. Nous voilà dans le cockpit du A300-600R. Très très beau cockpit, vous allez voir, tout est modélisé et cliquable en plus de ça. Je vous dis, c'est de la même qualité que le Flight Factor A320. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de la tablette. Ici, vous avez le calculateur pour les TOPERF, mais on va voir ça au fur et à mesure du tuto. Vous avez la checklist, bon, qui est très sommaire, hein, on ne va pas l'utiliser. Je vais vous montrer comment démarrer l'avion et vous en servir directement. Ici, vous avez les Grounds Hop, donc vous avez le Load Manager, le Load Sheet, le Ground Service et Exit. Donc ça, c'est pour revenir sur l'avion. Hop, exit. Alors, on va faire return. Ici, vous avez l'ATIS. Vous pouvez avoir les ATIS directement sur le FB. Le panel state, ça c'est pour enregistrer des positions custom, mais pour le moment ça fonctionne pas encore. J'ai testé en live, ça n'a pas fonctionné. Vous avez les différents états de l'avion, APU running, cold and dark, on GPU, ready for takeoff et ready for taxi. On revient ici et vous avez les settings. Donc ici vous avez les unités kilo livre. Non, c'est quoi qu'on nous propose comme unité, oui, kilo livre, IRS alignment time, réal, donc je vous conseille de le laisser en réal, parce que si vous vous occupez bien du cockpit, vous allez voir que le temps d'alignement des IRS est tout à fait convenable. Alors, link standard on, FDS on, link baromètre off, alors ça, c'est apparemment... pour que les trois baromètres se modifient en même temps, pareil pour le FDS et le STD. EFB Active Indication, donc ça c'est pour avoir des informations supplémentaires. Nosewheel Steering, alors ça c'est pour la roulette avant. Si vous n'arrivez pas par exemple à vous diriger, c'est un peu comme sur le Zeebo, il faudra chercher quelle est la bonne option pour vous. Pour moi c'est Yo. Ça c'est si vous avez les...
les freins qui sont chauds, vous pouvez directement resetter la température. Et le plugin pour les ombres, donc là, thrust, accélération et réduction, donc c'est mis par défaut à 1000 pieds, je laisse comme ça. Le RAAS sur on et le pose OTD on. Vous pouvez mettre sur off, mais moi pour le tuto, je vais mettre sur on et puis on le retirera au cas où. Et vous avez ici tous les paramètres de volume. Donc on va commencer pour faire le tour du cockpit à mettre l'extérieur power. On va appeler l'AC unit et le fuel truck. Voilà. Et on va aller sur notre override et on va commencer à éclairer le cockpit de l'avion. Donc on clique ici sur Galley. Donc voilà, on allume les trois batteries ici, 1, 2 et 3. Et on va aligner les IRS. Donc je vais faire un petit test pour voir s'il n'y a pas ici de problème d'affichage. On est bon. On aligne les trois IRS et on va éclairer le cockpit. Ça sera plus sympa. Voilà, les trois IRS sont alignés. On allume une partie du cockpit et on va continuer à éclairer nos instruments. Donc côté pilote, c'est ici que ça se passe. Voilà. Pour le glare shield, c'est ici. Côté copilote, alors pour masquer les yokes, c'est là. Hein. Côté copilote, voilà. Et sur le pédestal, ici, vous avez deux molettes superposées qui vous permettent d'éclairer le pédestal et le guard shield. Moins l'override plutôt. Voilà. Notre avion est éclairé, c'est déjà un peu plus lisible. Donc ici, vous avez 1, 2 et vous avez les 3 IRS. Ici, vous avez les flight rudder, les spoiler et speed brake. Donc par défaut, c'est sur fault, mais ça va se retirer tout à l'heure quand on va démarrer l'avion. Vous avez également ici les pompes hydrauliques. Ici, vous avez tout ce qui concerne les seat belts, les lumières. Voilà. Plus haut, vous avez l'electric indicator, ce qui va vous permettre de voir les différents voltages de là on est sur l'extérieur power par exemple, la PUGN n'est pas encore démarrée. Ici vous avez pour les batteries. Ici vous avez les trois alarmes pour la PU et les deux réacteurs gauche et droite, l'electric power donc qui est sur cette zone. Ici vous avez le pitch trim et le yaw dumper que l'on va activer ainsi que l'ATS direct. Afin de gagner du temps sur l'alignement des IRS, on va aller sur le FMC et on va commencer à rentrer notre plan de vol. Donc LFMN, alors d'abord on va clear les messages. Et là, vous voyez, il y a LF qui est tapé parce que j'avais commencé à taper LFMN. C'est quelque chose que j'aime bien sur ce FMC, c'est que même si vous avez un message que vous tapez quelque chose, quand vous clearez le message, ben, vous aurez toujours ce que vous avez commencé à entrer. Donc LFMN slash LFKJ return. L'aéroport de destination, donc là je clear aligne IRS et je vais cliquer sur aligne IRS, voilà. L'aéroport alternatif c'est LIRF. Le cost index de mon OFP c'est 100. Ah, LIRF n'était pas rentré, voilà. Le cost index donc j'ai dit 100. Le cruise FL c'est le 130 130, et le numéro du vol c'est AFR 84 puisqu'on est avec la livrée Air France. Quand vous avez
une petite flèche comme sous le curseur, au-dessus du curseur de ma souris, comme ça, ça veut dire que vous avez une page suivante. Donc là, on va rentrer le block fuel, le zero fuel weight et le CG. Pour ça, on va dans la tablette. Alors, je vais essayer de me centrer au mieux, voilà. Je vais faire un petit raccourci clavier, en attendant, ça évitera de chercher à chaque fois cette vue. Je vais sur EFB et je vais sur Flight Opération Menu, Ground et Load Manager. Donc vous avez soit le curseur Total Fuel activé, comme ça, soit vous pouvez directement en cliquant sur le champ avec votre souris, rentrer la valeur que vous souhaitez. Donc moi, 14 tonnes, je vais faire Next, et là, je vais entrer le total au niveau du chargement cargo. Donc je sais sur mon OFP qu'il faut mettre 32 tonnes, voilà, je fais Next, Computing, donc on laisse faire, on fait Load Payload Fuel, voilà, je retourne sur EFB, je vais sur Flight Menu Opération, je retourne sur Ground Opération et je vais sur Ground Service et je rajoute le Airster que j'aurais dû mettre déjà dès le début et le Loader. Donc là, l'alarme c'est pour me dire qu'une porte est ouverte. On va faire une petite vue extérieure pour voir ce qui se passe. On a le chargeur de fret qui se met en position, le camion qui attend derrière, et on va aller faire un petit tour pour voir si tout se passe bien. On va allumer les lumières de la zone du PNC. Là, ici, c'est là où est assis le personnel navigant. Et on allume les lumières. Voilà, c'est ici sur ce panneau. Vous pouvez également ouvrir et fermer la porte si vous le souhaitez d'ici directement. On va voir que tout se passe bien. Le fret est en train d'arriver. On va vérifier qu'il n'y ait pas de problème dans la soute. Vous voyez, c'est bien modélisé, c'est sympa. Hein. Ça ressemble vraiment à un cargo pour le coup. Et vivement la version passager. C'est bon, le fret est en train de se charger. On voit le conteneur qui rentre et on va retourner en cabine. Pendant le vol, si vous avez des petits besoins, c'est par ici que ça se passe. C'est modélisé. Et on va fermer la porte du cockpit et on va se remettre sur le siège du pilote. Voilà, et bien sûr on va verrouiller la porte du cockpit, c'est ici, c'est en haut. Alors pas évident à attraper le bouton, voilà, il faut que ici ce soit éteint. Donc là on est à nouveau dans notre cockpit et on va continuer notre plan de vol. Alors, on retourne sur le FMC. On va mettre donc le block fuel, on a mis 14 tonnes. Donc là, il marque 14.2, donc on va marquer 14.2. Le zero fuel weight, on retourne sur notre tablette. Alors, on va sur Flight Opération Menu et Load Manager. Et donc, notre zéro fuel weight, 122.1 et 29.9 pour le CG. Donc, 122.1 et 29.9 pour le CG. Ensuite, on va sur Flight Plan, on va faire LFMN, l'acide, on décolle de la 04R et on va sur
l'acide l'onsu 6 alpha, voilà, et on fait insert. Pour l'arrivée, on clique sur LFKJ, la star, ILS02Z, l'onsu 1 Sierra, et la transition c'est Oro, comme sur mon plan de vol que je vous montrerai tout à l'heure. Et on fait insert. Hop, désolé, j'ai ripé. On va supprimer la discontinuité. Voilà, on est bon. On va rentrer les vents sur la CARS. Donc vous allez sur REF, à CARS, Wind Request. Vous patientez. Vous clearez le message en cliquant sur Clear. Et là, on va faire Insert Wind Data. Voilà. Je clear le message et je reviens à mon plan de vol. J'ai bien initialisé. C'est bien initialisé également pour les IRS. Et maintenant, on va aller sur Théo pour les perfs. Alors, pour les perfs, on va les rentrer sur le FB. On fait load payload fuel, bien sûr, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, et send to takeoff perf. Une fois que vous êtes ici, vous rentrez votre aéroport de départ et la piste. LFMN, Enter. Et la piste, c'est la 04R. Ici, on va faire une requête ATIS pour avoir les vents, l'OAT, le QNH. Alors, au niveau du QNH, on n'est pas bon, c'est 1013, puisque je suis pas en météo réel. Et pour le taux, en fait, c'est le 0 fuel weight plus également le fuel. Donc, on a 14 tonnes de fuel, un 0 fuel weight à 122, ça fait 136.1. Ou sinon, vous pouvez le rentrer automatiquement en cliquant ici sur FMC Data. Donc il vous donne 135.9, donc ouais, c'est ça, on est pas très très loin de ce que j'avais dit. Et maintenant, vous faites compute. Donc là, ça va calculer les perfs de l'avion. Ok, donc la V1 158, la VR 161 et la vitesse de sécurité 162 avec un flex de 47, 15 degrés de volée et un trim à 0.8 down. Donc là, je vais envoyer ça directement à mon FMC en faisant send data. Et je fais send to FMS. Et là, j'ai bien ici ma V1, ma VR, mais j'ai pas la V2 parce que la V2, c'est bien marqué entre parenthèses FCU. Donc il faut la rentrer ici, 162. Pour l'altitude de croisière, c'est ici, mais par défaut vous êtes en centaines. On veut passer en milliers, on clique avec le doigt ici et on va mettre 13 000 pieds. À savoir que quand vous allez vouloir activer une montée ou une descente, c'est ici, vous avez la petite flèche qui va vers le bas qui vous mettra en flight level change ici et vous pourrez changer, passer en profil, mais on verra ça un peu plus tard. Ici on va passer sur auto et mettre 46 au niveau du flex temp. On est bon pour ça. Donc on a eu le message comme quoi on avait reçu les perfs de la compagnie. Voilà, tout va bien, notre plan de vol est rentré, nos perfs sont faites, on va pouvoir démarrer l'APU. Alors l'ICAM est ici. D'accord, vous avez ici les retours de l'ICAM, donc là on voit bien qu'on est, on a une porte ouverte, les cargos se sont fermés automatiquement, le chargement est terminé, et ici vous avez le mémo, c'est-à-dire toutes les erreurs sont sur cet écran-là. Les écrans sont popables, on peut les faire popper. Donc là on va démarrer l'APU, donc on va cliquer ici sur APU ON et on clique sur Start. Automatiquement l'ICAM va basculer sur la page APU. Dès que l'APU va commencer à se lancer, on va avoir marqué ici Axel sur le bouton. Donc ça veut dire que l'APU est en cours de démarrage. Je vais
je retourne ici sur Flight Opération Menu et je vais sur Ground Service et je vais commencer à retirer la C-Unit, le Fuel Truck, le Loader, l'Airster. On va attendre que l'APU ait démarré. Voilà, il est passé en vert, donc ça veut dire que l'APU est démarré. Et je vais essayer de déconnecter l'extérieur power. Vous voyez, je n'y arrive pas. Je clique dessus, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que vous devez, avant toute chose, aller sur votre override et ici, cliquer sur extérieur power pour retirer on et qui passe en invalable, comme quoi il est connecté, mais pas actif. Donc, je retourne sur ma tablette et là je peux le désactiver et retirer les chocs. Je vais revenir ici sur Théo Perf pour avoir mes perfs en visibilité. On est bon, on va pouvoir commencer à démarrer les moteurs. Avant toute chose, on va cliquer ici sur APU Bleed. On va lever le bouton. Donc on voit que le bleed s'est bien activé. Et que c'est fonctionnel, on entend la ventilation, on va vérifier de rien avoir oublié. Pour démarrer les moteurs, on va activer ces trois pompes hydrauliques et on va attendre que ce soit l'OPR se retire, que le message l'OPR se retire. On est bon. Alors, à savoir, le lancement des moteurs, ça se passe ici. Voilà, sur cette console-là. Donc, on va mettre sur Start A et les deux boutons-là vont nous permettre de lancer les moteurs. Et ici, on a le cutoff de l'engine 2 et l'engine 1. Donc, c'est ce qui va permettre d'envoyer le carburant. À savoir, pour information, que si vous avez les moteurs General Electric, il faudra mettre le carburant à partir de 15% de N2. Et si vous avez des moteurs Pratt et Whitney, je crois, voilà, c'est ça, il vous faudra lancer le carburant à partir de 20%. Allez, c'est parti. Je vais me mettre sur la vue override. Je me mets en A ici. On entend la ventilation qui baisse. Et je starte le moteur 1. Le moteur 2 plutôt. C'est parti. La pression est disponible. On a du N2. Et on lancera le carburant à partir de 20. Allez, j'envoie le carburant. Et le moteur commence à se lancer, on l'entend démarrer. Le moteur 2 est démarré, je vais pouvoir lancer le moteur 1. Pareil, je clique sur Start ici, il passe en bleu. Et on voit le N2 qui est en train de monter. Et pareil, on mettra le carburant à partir de 20. Et c'est parti, on envoie le carburant dans le moteur 1 et on va patienter le temps du démarrage.
Le moteur 1 est démarré, je retourne sur mon override et là je peux couper l'ignition, la mettre sur off. Je vais faire une vérification, voir si le générateur 2 et le générateur 1 envoient bien de l'électricité, on est bon. Je fais un petit contrôle des batteries qui sont dans le vert, toutes les 3, on est bon. Et je vais pouvoir couper l'APU. Là, à partir de ce moment-là, je coupe l'APU. Et ici, je retire l'APU bleed. Et c'est les moteurs qui vont prendre le relais et le X-feed qui va se désactiver. Donc là, on est bon. Les moteurs sont démarrés. On va maintenant configurer l'avion pour le roulage. Alors, ici, vous avez le TOConfig. Donc, qui va s'afficher sur cet écran. Je vous le fais popper pour que vous y voyez un peu mieux. Donc là, on n'est pas bon parce qu'il nous dit que les flaps et les slats ne sont pas configurés. Donc, on va armer les speed brakes. On va mettre un cran de volet. Ici, vous voyez les degrés de volet sur lesquels vous êtes. On est sur 15.0. Comme indiqué sur notre page ici, 15/0. On va mettre le trim à 0,8. Done. Voilà. Et on va également mettre les autobreaks sur max. Ça marche pareil pour tous les Boeing, hein, la procédure. Et là, maintenant, on va pouvoir refaire notre TOConfig. Et on est dans le vert. On n'a pas d'erreur. Donc, on est prêt au roulage. Donc on va faire le roulage et une fois qu'on sera aligné, du moins qu'on sera au point d'arrêt, on va faire les flight control et on terminera l'allumage des lumières. Donc là on aurait dû mettre le beacon, hein, comme d'habitude. On va se mettre en mode taxi, les seatbelts pour le PNC et le no smoking. On est bon, on est prêt au roulage, c'est parti. Avant le roulage, je vais vous montrer notre carte de départ. Voilà, je vais m'afficher Firefox également. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'ONSU 6 Alpha? On monte à 420 pieds, on tourne à droite cap 138 jusqu'à une distance de 8 nautiques du bord de Nice. Et après, on prend sur le point MN044. MN046, il faut être à 6000 pieds ou plus. Et ensuite, Omar, Merlu et Lonsu. Voilà, c'est parti. Je range Firefox et on fait le roulage. Pour ça, on va retirer le park brake. Et on commence. On va commencer notre roulage, faire un petit test des freins. Ok, les freins fonctionnent bien et on continue. On va faire notre roulage, on s'aligne, du moins on va pas s'aligner, on va se mettre au point d'arrêt et on fera le flight control. Pour notre décollage, on va se mettre en mode nav et en flight level change.
Le cap de la piste, c'est 43. On va afficher les waypoints pour le départ. Et je vais passer de toute façon en rose pour le décollage. Je préfère voler avec la rose des vents. Je trouve qu'il est plus facile de se repérer par rapport à notre procédure. Donc il faudra tourner au 138. On s'arrête, on met le frein de parc, on va faire le fly control. Donc sur l'ICAM, on appelle ici le fly control, voilà, et on va faire nos contrôles. Full up, check, full down, check, neutral, check, full lift, check, full right, check, neutral, c'est check, rudder for lift, check, rudder for right, check, neutral, check, checklist complete. Je vais remettre l'ICAM en automatique. Donc quand vous mettez un ICAM en automatique, il faut qu'il n'y ait rien d'appuyé. Je vais refaire un TO config pour être certain qu'on est paré au décollage. On est bon. On met toutes les lumières. Hop, comme ça on est bon pour le décollage. Alors c'est celui-là, voilà, et on se met en position TO, on est bon, on retire le parking brake, on s'aligne et on décolle. Alors attention, sur cet avion la THR ne se met pas de façon automatique, hein. L'autotrottle. On est aligné, on fait vite fait, donc 168-161 pour l'AVR, le trim on est bon, tout est bon, c'est parti, on lance le chrono, voilà, et ici on met notre throttle sur 47, voilà à peu près, c'est parti. Le QNH est bien à 1013, donc on est bon. Rotate, positive climb, gear up,
et à 400 pieds, on tourne à droite et on prend au 138. J'enclenche le pilote automatique et je mets la THR. Je vais augmenter ma vitesse. Sinon, on aurait été en limite de décrochage. Et je vais repasser en mode map. On va rentrer nos volets et on va augmenter un tout petit peu la vitesse. On va passer à 220 pour pas être en limite. Et on va mettre le TICAS sur TARA. On avait le message comme quoi le TICAS était en stand-by. Et on va basculer en mode replay. On va faire un petit replay du décollage. Décollage. Et voilà, allez, on revient en mode normal. Le pilote automatique s'est retiré, forcément. Ça arrive souvent sur des sorties de replay, faites très attention à ça. On est bien en mode nav, on laisse l'avion faire. Et là, on va pouvoir passer en mode profil. Voilà, donc là, la vitesse... du moins la montée va être gérée directement par l'avion. Il va monter à 250. On peut mettre les trains sur la position centrale, hein, qui est la position de verrouillage. On met le barreau sur standard. L'avion reprend de la vitesse, il va monter à 325 nœuds.
On va pas tarder à arriver au FL 130. On va désarmer les speed brakes. Alors allez-y doucement, parce que sinon vous allez vite le tirer vers l'arrière. Et là, on nous dit TAT, infrequent icing. Donc sur cette plage de température, on a apparemment souvent, on est en moins 11, on a souvent du givrage. Donc l'avion nous recommande de mettre le givrage sur les ailes et les réacteurs, on va les mettre. Voilà, tout va bien. Je vais désactiver les seatbelt pour le PNC. Et voilà, on est sur notre altitude de croisière, ben comme d'habitude, hein, une fois que l'on sera sur notre top of descent, je vous reprends rapidement. Deux petites choses pour déconnecter les yokes, c'est ici, hein, si vous voulez les retirer. Et ici, vous pouvez inverser les écrans, le ND, le PFD, comme vous voulez. Et ici, apparemment, vous avez la bascule des systèmes. Donc je vous en dirai pas plus là-dessus parce que je ne suis pas assez expert sur ce modèle d'avion, mais sachez que c'est fonctionnel. Et je vais remettre le yoke et je vous reprends à notre top of descent. En attendant, on va faire une petite croisière musicale. On arrive sur notre top of descent d'à peu près 30 nautiques. On va préparer notre descente. Alors, je vais vous réafficher la carte pour notre ILS d'arrivée. Voilà, et je vous mets Firefox. Voilà. Donc alors,
On doit capter l'ILS à 3400 pieds, donc on se mettra à 3400, on sera bon. Même 3000, ouais, 3000 on peut la capter sans aucun problème. Notre minimum en DA sera 1355 pieds, donc on réglera 1355 pieds. Et l'ILS c'est 110-30 et le CRS 23. Donc on va retirer Firefox, on va commencer à rentrer nos perfs pour l'arrivée. Donc Théo approche, donc là on nous met directement sur la fenêtre d'approche puisque le take-off est terminé. Et on va mettre 1355 pieds ici. Et là, il est marqué finale approche. On cliquera dessus quand on sera en approche finale. C'est bon, on va mettre 3400 pieds. On va mettre 3000, ça ira. Ça le fera. Il vaut mieux être en dessous que un peu trop haut pour capter une ILS. Et ici, on rentre notre fréquence d'ILS, donc 110-30, et le CRS, c'est 23. Donc là, on est bon, on n'a plus qu'à attendre d'intercepter notre top of descent. On va bientôt l'intercepter. Je vais réduire, je vais zoomer un peu plus sur la carte. On va zoomer à 30 nautiques. Et on est bientôt sur notre top of descent. Ce que je vais faire, parce que j'en ai pas besoin pour le coup, je suis devant mon écran. Je vais retirer dans les settings l'option pour me mettre en pause sur le TD. Voilà, je fais save et ok. Et je reviens ici. Bon, maintenant les perfs de décollage, on n'en a plus besoin. Mais je raffiche la page quand même. Voilà, on n'est pas mauvais. Tout va bien. On va vérifier sur l'ICAM quand même qu'on n'ait pas eu de problème au décollage avec... les roues, non, tout va bien. Tout va bien, on est bon. Hop, je remets l'ICAM en auto. Et on attend notre top of descent. Alors, pour activer notre descente, vous le verrez tout à l'heure, mais je vous le montre à l'avance, comme ça on a du temps. Je cliquerai ici, donc il est marqué non. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur vue et montrer la description des instruments. Je vais le retirer. Ça évitera d'avoir cette fenêtre, cette bulle qui ne sert à rien. Et une fois qu'on commencera à descendre, on va descendre en level change. On repassera en mode profil. Dans moins de 5 nautiques, on va attraper notre top of descent. Vous allez voir le vertical dev qui va se mettre en route. Ici, il faudra activer l'ILS, mais on le fera tout à l'heure. Voilà, on a le vertical dev qui s'est affiché. Et on va activer la descente et je repasse en mode profil. Pour laisser gérer la descente à l'avion. Comme ça, c'est l'avion qui gère la descente. On va prêter qu'à la vitesse. Voilà, il nous demande de ralentir. On ralentit l'avion.
parce qu'on va passer en dessous des 10 000 pieds et il faut voler à moins de 250. Donc c'est pour ça qu'il affiche 250 ici. On est un peu bas, mais c'est pas très grave puisque la contrainte d'altitude est en moins, c'est-à-dire qu'on a du 8000 pieds moins. Donc sur le prochain point, on va afficher les contraintes. On va un peu zoomer sur notre plan de vol et on voit ici qu'on a 8000 pieds below, donc en dessous. Voilà, je peux retirer les speed brakes et les armer à nouveau. Et on va laisser à l'avion le soin de gérer la descente. Alors par contre ici j'ai remarqué, si je clique sur DH pour afficher, pour mettre la décision altitude en DH comme marqué sur la carte, ça s'arrête à 999, on ne peut pas aller plus bas alors qu'il nous est recommandé 1300 et quelques pieds. Voilà, 995 pieds, bon ben c'est le maximum que l'on puisse mettre. De toute façon ici on a rentré le MDR à 1355 et sur la carte pour le DH on nous recommandait 1340, mais on ne peut pas aller plus haut, on est obligé de s'arrêter à 995. Alors je pense pas que ce soit un bug puisqu'il n'y a que 3 caractères de toute façon. On est sur KJ 800. Donc on active ici le modèle S. Donc vous allez voir tout à l'heure quand vous aurez le glide slope. Le glide slope, donc on le voit déjà, mais ça rime à rien. Et quand on aura le localizer qui sera là. Dès qu'on captera l'ILS, on le verra. Et pour activer l'ILS, il faudra cliquer sur Land. Mais tout à l'heure, pas encore. On n'y est pas encore. Donc au niveau de l'atterrissage, on va faire un atterrissage à 30-40 au niveau des volets. C'est-à-dire qu'on va avoir les slats à 30 degrés et les flaps à 40 degrés. Je clear le message qui me disait de laisser descendre l'avion. On va laisser l'avion perdre sa vitesse tout seul. On n'a pas besoin de l'aider. On n'est pas déconnant au niveau des altitudes. Donc tout va bien. On voit l'île de beauté sur notre gauche. On a dépassé les 10 000 pieds. Je reviens sur mon override et on va activer les lumières que je n'avais pas désactivées de tout à l'heure. De toute façon, au moins c'est fait. Pensez aux lumières, moi c'est quelque chose que j'oublie à chaque fois. Donc on est bon, je vais remettre les seatbelts par contre pour le PNC.
Voilà. On va mettre les autobreaks sur médium. Donc notre VRF, on nous dit vitesse d'approche 143 et plus une correction de 5 nœuds au niveau du vent, donc ça fera 148. Je vais commencer à sortir un premier cran de volet. Donc on est à 15 degrés de slat, on est bon. Je vais sortir un second cran de volet et je vais activer l'approche finale dès qu'on aura les ailes à plat. Donc là, l'ILS n'est toujours pas activé. C'est pas parce qu'on a le visuel ici que l'ILS est activé. Il vous faut bien rentrer votre fréquence et votre CRS, bien entendu ici. Donc là, nous, on va atterrir avec 30-40 en volet. Si vous voulez atterrir à 15-20, il faut cliquer ici et passer également à passer là le commutateur sur 15-20. Donc, je vais activer l'approche finale. Voilà. L'avion va ralentir. On va le laisser faire tranquillou. Il n'y a pas une grosse visibilité. On est à 3000 pieds.
Et là, je vais activer l'ILS en cliquant sur Land. Voilà, ici, on a bien Lock et Glide Slope décrit, donc c'est bon. On est bien en configuration ILS. Lock star, check. On a la piste en visuel, donc on peut sortir le train. Le lock est passé au green, ça veut dire qu'il est bien pris en compte. Les volets, les trains, on a les trois greens, c'est bon. Et je vais sortir un cran de volet supplémentaire. Le glide slope se rapproche, on va bientôt le verrouiller. Et là, on va réduire la vitesse, on va la passer à 150. Et je vais sortir un autre cran de volet et on se mettra en full flaps. Ben on y est, ça y est, c'est bon, on est à 30 degrés de slats et 40 degrés de volet. Le train est sorti, les speed brakes sont armés, les flaps sont full, les autobrakes sont sur middle, on est bon. Donc voilà comment utiliser l'ILS sur cet avion. Première chose, on rentre la fréquence ILS et le CRS. On active le visuel ILS ici et une fois que vous êtes en face à l'ILS, vous cliquez sur Land et bien sûr vous activez la phase d'approche ici après avoir entré le MDA. On va re-rentrer dans la cabine quand même. À 1000 pieds sol, je vais récupérer les commandes de l'avion. Hop, on récupère l'avion.
De rouge, de blanche, on est bon. Oui, 300 pieds. Je vais couper la THR. Reverse. Green. Bah, pas mal ce petit atterrissage. Manuel braking. Je retire les speed brakes, du moins les reverse. Et on va sortir ici. Je vais rentrer les volets. Et également les speed brakes. Voilà. On va s'arrêter là. On va regarder que l'avion soit bien en configuration. On est bon. On va couper les lumières. On en a plus besoin. Et on va aller se parquer. Ok, si les lumières de taxi nous les faut. Voilà. Et on va redémarrer l'APU pendant le roulage. Ça sera une bonne idée. Et du temps de gagner. Et je vous propose, avant de faire le roulage, on va faire un replay. Vol basculé en mode replay de l'atterrissage. Mais je pense que j'ai pas dû être très très mauvais sur ce coup là. Alors c'est un avion qui est beaucoup plus compliqué que le 320 ou autre. Hein. Il a une sensibilité qui est complètement différente du fait de sa génération quand même. Yes, j'ai pas flotté. C'est cool. Je reviens en arrière pour voir ça. Je n'ai pas flotté. Ça, c'est bien. Bon, pas super centerline, mais ça va. C'était propre. Je suis content de moi. Allez, je rentre dans le cockpit. Et on va aller se parquer. Et on va éteindre l'avion. On va mettre les brake fans sur on parce qu'apparemment les freins ont réchauffé alors que je n'ai pas du tout appuyé sur les freins, c'est l'autobrake apparemment. Bienvenue à Ajaccio. On va parquer l'avion, éteindre les moteurs, décharger le fret et on se quittera là. À partir de ce moment-là, j'espère que la démo de cet avion vous aura plu, comme toujours. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est un très 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 bon avion. Moi, je suis assez fan et j'ai hâte vraiment d'avoir la version de passager. Mais ça arrive sous peu, ça a déjà été annoncé par Inibuild. Et après, ils nous concoctent le 380. Ah là là, ça va être de la belle bête. Surtout si le 380 est aussi poussé que le A300, franchement, ça va être tout simplement un petit régal. Oula, il y a du monde déjà.
Bon, bah, on a de la place là, on va pouvoir se parquer sur la 8. Bon, on est un peu à côté, mais c'est pas très grave. Allez, je mets hop les park break, la PU est démarrée, je bascule sur la PU bleed et on va couper les moteurs. C'est parti. Les moteurs se coupent, on va appeler le ground opération. Hop. Et on va décharger tout ça, donc flight menu, ground ops, le airstair, le loader, le fuel truck, non le fuel truck on en a pas besoin pour décharger l'avion, voilà. Et voilà les amis, simmer et pilote furaxien et furaxienne, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi toujours est-il, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la réaliser et à vous présenter ce nouvel avion de la bibliothèque X-Plane 11. Donc c'est un super aircraft, hein, comme d'habitude. J'essaie de vous présenter des avions qui en valent la peine pour pas que vous investissiez vos deniers dans des appareils qui n'en valent pas le coup. Les amis simmer et pilote furaxien et furaxienne, encore mille merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en description de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la cloche des notifications, puis toutes, pour recevoir les notifications des lives à venir et des vidéos. À lâcher un pouce bleu, ça me fait plaisir également et ça aide au référencement des vidéos. Et bien sûr, à me suivre sur ma chaîne Twitch Furax84_simulation sur laquelle je fais des lives divers et variés comme XP11, Flight Simulator 2020, Star Citizen, bref le jeu que j'ai envie de jouer à ce moment là. Encore mille merci à tous et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.